Quand j'étais petit, la Ligue des Champions était une denrée rare et précieuse. Au cours d'un passage au paradis, un ange me frappe en pleine tête, l'Ukrainien Andrei Shevchenko. Son équipe est austère, son stade grand, peu chaleureux, dégarni. Sa pelouse, blanche, couverte de givre. Le match est plus tôt, la télé filme de loin. Je n'aime pas, je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas détendu comme à l'habitude. Son visage, impassible. Ses yeux ronds, durs, perçants, presque sans sentiment. Difficile de le regarder, difficile de m'attacher, mais impossible de l'oublier. Je n'ai jamais vibré pour Andrei Shevchenko et pourtant, son brassard, ses cheveux longs, sa tenue, sa sobriété, son leadership, sa capacité à affirmer le lead du Dynamo, club historique, me marquera à jamais. Avec lui, footballeur est un métier, c'est du sérieux. Shevchenko, c'est l'attaquant, le vrai, une élégance, un charisme, une intelligence, une précision, un sang-froid devant le but. Il te rend soyeux le plus plat des plats du pied. C'est le roi des 20 derniers mètres. Pas de surprise de le voir s'installer à la table des seigneurs du Milan où style, classe et sobriété se mélangent à souhait. Dès lors, il me semble le voir s'ouvrir et sourire un peu plus souvent.